Good morning, church. Bonjour, peuple de Dieu. Would you please stand up? We're gonna pray again. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons prier encore. Father, we give you praise. We worship you. We thank you for this hour. Thank you, Lord, for this opportunity given us to be gathered together in your presence. To be gathered together to hear you. To be gathered together to praise you, to worship you. Thank you, Lord, for receiving our praise and adoration this morning. Thank you, Lord, for touching our hearts this morning through your word. When I hear from you, Lord, talk to me, talk to my brother, talk to my sister. When I hear your word, Lord, let your word bring healing to our heart. Let your word bring salvation to our heart. Let your word bring comfort to our heart. In Jesus' mighty name, have your way in us, Lord. Reign. May your kingdom come this hour. May your will be done this hour. When I see your glory manifested in our midst, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Please remain standing. We're going to read the word of God. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rester debout pendant que je vais lire la parole de Dieu? The gospel of Mark. L'évangile selon Marc. Chapter 11. Chapitre 11. Verses 22 to 24. Le verset 22 jusqu'à 24. Mark 11, 22 to 24. Marc 11, 22 à 24. When you find it, say amen. Et quand vous le trouvez, vous pouvez dire amen. I read from the New King James Version. Je lis de la version New King James. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Amen. Amen. Please be seated in the presence of God. S'il vous plaît, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Our topic this morning, notre thème ce matin, requirement of faith in action. Les exigences de la foi en action. Yes, faith in action has requirements. Oui, la foi en action a des exigences. When you are looking for a job, lorsque vous cherchez un emploi, and you come across a job announcement or a job offer, et lorsque vous tombez sur une offre d'emploi, there is something you will not miss for sure. Il y a quelque chose que vous ne manquerez pas de voir. You will see the position title. Vous allez voir la position. You will also see requirements. Vous allez aussi voir les exigences. Now, when candidates apply to the position, the HR will pre-screen the candidate. Alors, lorsqu'il y a des candidats qui viennent solliciter un emploi, les ressources humaines donnent des exigences. They will go through all the applications and find those who fulfill the requirements of the position being offered. Ils verront toutes les demandes qui ont été introduites et ils verront ceux-là qui remplissent les exigences. That is the first thing they do before they go any further in the process. Et c'est la première chose qu'ils font avant qu'ils puissent continuer le processus. As we talk about faith in action, alors comme nous parlons de la foi en action, we need to understand that in order for faith to achieve any result, there are requirements. Alors nous devons comprendre que si la foi doit avoir des actions, il faudrait certaines exigences. This morning we're going to look at three
requirements of faith in action. Aujourd'hui, nous allons parler de trois exigences de la foi en action. Alléluia. Amen. Are you ready to take off? Est-ce que vous êtes prêt à vous envoler? Three requirements of faith in action. Trois exigences de la foi en action. Because we are supposed to put our faith into action and see results. Parce que nous sommes supposés mettre notre foi en action et voir des résultats. My prayer for you this morning. Ma prière pour vous ce matin is that before the end of this very year 2021. C'est qu'avant la fin de cette année même de 2021. You see the result of your faith. Vous puissiez voir les résultats de votre foi. That you achieve results as you put your faith into action. Et que vous puissiez accomplir des obtenir des résultats comme quand vous mettez votre foi en action. Looks like there is too much volume, too much echo here. C'est comme s'il y a beaucoup d'écho ici. Do we have any technician to take care of this? Est-ce qu'il y a un technicien qui peut nous régler ça? Yeah, too much volume. Volume est trop haut. Okay, all right. Now, the first requirement, brothers and sisters. Alors, la première exigence, frères et sœurs. Faith has to be founded in God. La foi doit être fondée en Dieu. That's why in our passage of reference. Voilà pourquoi dans notre passage de référence. Jesus, our Lord and Savior, said, "Have faith in God." Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dit, "Ayez foi en Dieu." He calls for faith to be founded in God. Il fait appel à la foi qui doit être fondée sur Dieu. Why in God? Pourquoi en Dieu? Because outside God, any other ground is sinking sand. Parce que en dehors de Dieu, toute autre sol est un est une terre. C'est du sable mouvant. C'est du sable mouvant. Only God is a solid and reliable foundation for our faith. Il n'y a que Dieu qui est en fait une fondation sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Now, in terms of foundation of faith, there are two major qualities in God. Alors, en termes de d'être fondé en Dieu, il y a deux majeures qualités. Il y a deux majeures qualités de Dieu. God has many attributes. Dieu a beaucoup d'attributs. But I will focus on two this morning. Mais je vais me focaliser sur deux spécialement ce matin. To justify the fact that our faith must be grounded, founded in God. Pour justifier le fait que notre foi doit être totalement appuyée, fondée en Dieu. The first quality, the first major quality we found in God is His integrity. La première qualité majeure que nous trouvons en Dieu, c'est son intégrité. The integrity of God. L'intégrité de Dieu. Numbers chapter 23 verse 19. Nombre chapitre 23 au verset 19. The Bible says. La Bible dit. God is not man that he should lie. Dieu n'est pas un homme pour qu'il puisse mentir. Nor a son of man that he should repent. Non plus un fils d'homme. De sorte qu'il puisse se repentir. Has he said and will he not do? Ce qu'il dit, il ne le fera-t-il pas? Or has he spoken, will he not make it good? Comme il a parlé, ne le réalisera-t-il pas? My brother and sister. Mon frère, ma sœur. Integrity is defined as the state of being honest and fair. L'intégrité est définie comme étant l'état de ce qui est honnête et juste. Yeah, the state of being honest and fair. La qualité d'être honnête et juste. Exactly. Now, integrity in other words is consistency. Alors, l'intégrité en d'autres termes, c'est la consistance. Is also rendered by the word dependability. We can depend on God. God is dependable. Ça peut aussi être rendu comme une dépendance, dépendre. De Dieu. Dieu, on peut dépendre de Dieu. We can trust God. Nous pouvons faire confiance en Dieu. Because He never changes. Parce qu'il ne change jamais. What He says today. Ce qu'il dit aujourd'hui. He will keep His promise. Il gardera sa promesse. Until the promise is fulfilled. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Malachi chapter 3 verse 6 says. Malachi 3 au verset 6 dit. For I am the Lord. Parce que je suis I do not change. Je ne change pas. Hallelujah.
Amen. I am the Lord and I do not change. Je suis l'Éternel et je ne change pas. That's why we can trust God. Voilà pourquoi nous pouvons faire confiance en Dieu. Men change too much. Les gens changent à tout moment. They give you a promise today. Ils vous font une promesse aujourd'hui. They don't fulfill it. Ils ne les réalisent pas. They change at all times. Ils changent à tout moment. This is human nature. Ça c'est la nature humaine. But God. Mais Dieu is dependable. On peut dépendre à lui, il est dépendable. He is consistent in what he does and says. Il est consistant dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Hebrews 13 verse 8 says. Hébreux 13 au verset 5. 8. Dit, au verset 8 nous dit. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hallelujah. Amen. There is no change in God. Il n'y a pas de changement en Dieu. There is no shadow of changing in God. Il n'y a même pas d'ombre de variation en Dieu. So integrity is God's character. Alors l'intégrité c'est le caractère de Dieu. We can trust him. Nous pouvons lui faire confiance. The second major quality that we found in God. La deuxième qualité majeure que nous trouvons en Dieu. To justify why we should trust in him. Pour justifier le fait que nous pouvons lui faire confiance. Is his ability. C'est son habileté. God is the Lord God Almighty. Dieu est le Dieu tout-puissant. He is able. Il est capable. God is able. Dieu est capable. Repeat that after me. God is able. Répétez après moi. Dieu est capable. Hallelujah. Amen. His ability is beyond human imagination. Sa capacité est au-delà de l'imagination humaine. Maybe you are confronted with issues and problems of life and you wonder how you are going to fix those. Peut-être que vous êtes confronté à des situations, à des problèmes dans la vie et vous vous demandez comment est-ce que je vais régler ces choses. That may be in your family life. Ça peut être dans votre vie de famille. At your workplace. À ton travail. In your financial situation. Dans votre situation financière. Or in your relationships. Ou bien dans votre relation. Now you wonder how you're going to sort out these issues. Alors vous vous demandez comment je vais résoudre ce problème. But the good news I have for you is that God is able. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous c'est que Dieu est capable. God is able. Dieu est capable. And his capacity or ability is beyond the human imagination. Alors sa capacité et son habileté est au-delà de l'imagination humaine. It's just overwhelming his ability. C'est juste au-delà de ce qu'on peut imaginer. You know there are people who may be upright and work in integrity, but lack ability. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être totalement droits et qui marchent dans l'intégrité, mais qui n'ont pas la capacité. You may rely on your uncle, your cousin, your brother, your father. Vous pouvez dépendre de votre oncle, ou votre tante ou de votre père. Even your boss. Même votre chef. His track record shows that. He is a man of truth. He is upright. Oui, son profil, son record nous dit que c'est quelqu'un qui est droit. Then he would give a promise saying, if I ever get that position, because the government is promoting people, as soon as I get that position, I will be able to help you. Et il peut te promettre pour dire qu'en tout cas, le gouvernement est en train de promouvoir des gens. Si dès lors que j'arriverai à telle position, moi, je vais vous aider. Then you wait and wait and wait. Et alors vous attendez, vous attendez encore. He made a promise. Il vous a fait une promesse. But he's not able. Mais il n'est pas capable. Not that he has not, he doesn't have the willingness to help you. Ce n'est pas qu'il n'a pas, la, il manque de volonté pour le faire. But he is limited in his action. Mais il est limité dans ses actions. But the God we are talking about. Mais le Dieu dont nous parlons has no limitations. Il n'a pas de limites. Hallelujah. Amen. He is an infinite God. Il est un Dieu infini. Unlimited God. Il est sans limite. He is able. Il est capable. Oh, I like this passage of Ephesians 3 verse 20. Oh, j'aime ces passages d'Ephésiens 3 verset 20. What does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? God is able. Dieu est capable. To do exceedingly abundantly above all that we seek or think. D'accomplir excédemment et abondamment au-delà de ce que nous pensons ou demandons.
This passage of scripture, ces passages de l'écriture, is so overwhelming. Dépasse en fait. God is able. Dieu est capable to do de accomplir what we ask. Ce que nous demandons. Not only what we ask. Pas seulement ce que nous demandons. He can go beyond what we ask. Il peut aller au-delà de ce que nous demandons. And do what we think. Et faire ce que nous pensons. Hallelujah. Amen. Now, exceedingly abundantly above our imagination. Alors excédemment abondamment au-delà de ce que nous pensons. That's why we have to trust in God. Voilà pourquoi nous devons faire confiance en Dieu. God is able. Dieu est capable. Remove that fear. Alors enlève cette peur. Trust in God. Fais confiance en Dieu. There is a way out. Il y a une voie d'issue. In God. En Dieu. Hallelujah. Amen. Everything God said is based on his capacity to do what he says. Tout ce que Dieu a dit est basé sur sa capacité d'accomplir ce qu'il a dit. So the first requirement, alors la première exigence, is that our faith, c'est que notre foi, must be founded, doit être fondée, in God, en Dieu, grounded in God, être enraciné en Dieu. Hallelujah. Amen. Now the second requirement, alors la deuxième exigence, if your participation, c'est votre participation. Yes. Oui. Your participation. Votre participation. God is the first player in the process of faith in action. Dieu est le premier joueur dans le processus de la foi en action. Now the second player in this process is you because you have to participate. Alors le deuxième joueur dans ce processus, c'est vous parce que vous devez participer. Now I said we have two major qualities in God. Alors j'ai dit qu'il y a deux qualités majeures en Dieu. That we have to consider. Que nous devons considérer. Now it is now your responsibility and mine. Alors c'est votre responsabilité et la mienne. To believe in God. De croire en Dieu. In order to make things happen. Afin que les choses puissent se réaliser. Hallelujah. Amen. You are a partner with God. Vous êtes un partenaire avec Dieu. The Bible says in Ephesians 2 verse 8. La Bible dit dans Ephésiens 2 verset 8. By grace, par la grâce, we have been saved. Nous avons été sauvés. Through what? Au travers de quoi? Faith. La foi. That means grace is available. Ça veut dire que la grâce est disponible. Now you need to believe. Mais maintenant vous deviez croire. In order to put that grace at work. Afin de mettre cette grâce en action. In order to translate that grace into salvation, afin de transformer cette grâce en salut, into solutions, le transformer en solution, that we can experience in our issues of life. Alors, solution que nous pouvons expérimenter dans nos problèmes de nos vies. At a lot of instances, when Jesus was talking to somebody who came with an issue, à un moment lorsque Jésus parlait à quelqu'un qui est venu avec un problème. And if that person believed, et lorsque cette personne croyait, and God saved or healed, et que Dieu le sauvait ou le guérissait, you will hear the Lord say, "Your faith has saved you." Vous entendrez le Seigneur dire, "Ta foi t'a sauvé." Your faith has made you whole. Ta foi t'a rendu entier. It means the grace of healing or salvation is available. Lorsque la grâce de la guérison ou de salut est disponible. Now, up to you to take advantage of that grace which is available and get healed. Alors c'est de notre part, cela dépendra de nous de prendre avantage de cette grâce et d'être guéri. Let's go back to Mark 11 verse 23. Revenons à Marc 11 au verset 23. And watch closely what is written there. Et prêtez attention à ce qui est écrit là-bas. For assuredly I say to you. Pour assurément je vous le dis. Whoever says. Quiconque dit. To this mountain. À cette montagne. There was a mountain around when the Lord was speaking. Il y avait une montagne là où le Seigneur parlait. Then he said, whoever says. Alors il dit quiconque dit. To this mountain. À cette montagne. Be removed and be cast into the sea.
ôte-toi de là et jette-toi dans l'océan. Now listen, and does not doubt in his heart. Et écoutez, il dit, il ne doute pas dans son cœur. But believes. Mais croit. That those things he says will be done. Que ces choses qu'il croit vont s'accomplir. He will have whatever he says. Il aura tout ce qu'il a demandé. Now, who has to say something here? Alors, qui doit parler ici? The Lord is talking to people. Le Seigneur parle aux gens. To his disciples. À ses disciples. He says, whoever. Il dit quiconque. Now tell me, who is that whoever? Alors dites-moi, de qui il s'agit? Is there any whoever here? Est-ce qu'il y a un quiconque ici? Whoever says. Quiconque dit. Sometimes. Quelquefois. Things don't happen because you never say anything. Les choses ne s'accomplissent pas parce qu'on ne dit rien. You never confess your faith in any realm whatsoever. Vous ne confessez votre foi nulle part. Whatever he says. Quel que soit ce qu'il dit. The Lord has set the conditions for the things to happen. L'Éternel a établi des conditions pour les choses qui doivent s'accomplir. And the ground is ready. Et la terre est prête. Our responsibility. Notre responsabilité is to believe. C'est de croire. Now we need to take participatory actions. Alors nous devons avoir des actions participatives. That's why I said. C'est pour ça que je dis. The second requirement is your participation. La deuxième exigence c'est votre participation. There are participatory actions you need to take. Alors il y a des actions participatives que vous devez faire. One of them is. Certaines de ces actions sont. To speak out your faith. C'est de parler ouvertement de votre foi. That's the confession of what you believe. Ça c'est la confession de ce que vous croyez. Hallelujah. Amen. Ah, there is a good example in Mark chapter 5. Alors il y a un bon exemple dans Marc chapitre 5. That lady who had the issue of blood. Cette femme qui avait un problème de perte de sang. For 12 years. 12 ans, pendant 12 ans. She heard about Jesus. Elle a entendu parler de Jésus. Hallelujah. Amen. And she got faith in her heart. Et elle avait la foi dans son cœur. In the meantime, she spent out all her money in the hands of the doctors. Et pendant ce temps, elle a perdu beaucoup d'argent entre les mains des docteurs. She needed a solution to her issue of blood. Elle avait besoin d'une solution à son problème de perte de sang. She was a cast out of the society. She was quarantined. Elle était rejetée, mise en quarantaine dans la société. Because she was considered as an impure lady. Parce qu'elle était considérée comme une femme impure. Now she heard. Alors elle a entendu Jesus. Parler de Jésus-Christ. Faith comes from what? La foi vient de quoi? From hearing. C'est qu'on entend. Hearing what? The good news. Entendre quoi? La bonne the nouvelle. The news on the TV. La nouvelle de télévision. Newspapers. Les journaux. There is nothing good that you hear in the newspapers. Il n'y a rien de bon dans les journaux. By the way, people are searching the information, trying to find something to capture the attention. That thing should be necessarily negative. Et vous voyez comment les gens perdent leur temps à chercher, à fouiller des choses qui peuvent être bonnes, mais des choses qui ne peuvent être que négatives. Accidents, les accidents, pandemics, les pandémies, the increase of cases of COVID-19, l'élévation des nombres de cas de COVID, vaccination being now a compulsory, mandatory somewhere, la vaccination qui est obligatoire à certains endroits. You will not have faith hearing those kind of news. Vous n'aurez pas la foi en entendant ces genres de choses. But faith from comes from hearing the word of God. Mais la foi vient de ce qu'on écoute la parole she de Dieu. Heard elle a entendu about Jesus parler de Jésus-Christ. And she got faith in her heart. Alors elle a eu la foi dans son cœur. We are in Mark chapter 5 verses 25. Nous sommes dans Marc 5 au verset 25. The Bible says this. La Bible dit ceci. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. Alors une certaine femme avait une perte de sang pendant 12 ans. And had suffered many things from many physicians. Et elle a souffert beaucoup de choses de beaucoup de médecins. She had spent all that she had and was no better, but rather she grew worse.
Elle a perdu, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais pourtant son cas s'est aggravé. When she heard about Jesus, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, she heard about Jesus. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. See what she did. Regardez ce qu'elle a fait. In her heart, dans son cœur, she started speaking to herself. Elle a commencé à se parler à elle-même. If I ever get closer to this Jesus, si jamais je me rapprochais de ce Jésus, and touch his garment, et touche les pans de sa robe, I will be healed. Je serai guéri. That in her heart, ça c'est dans son cœur, in her mind, dans sa pensée, she spoke out what she believed to be true. Elle a parlé ouvertement de ce qu'elle croyait être vrai. After she spoke, lorsqu'elle a parlé, see what she did. Voilà ce qu'elle a fait. Verse 27. When she heard about Jesus, et entendu parler de Jésus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Elle vint dans la foule par derrière et elle toucha son vêtement. Alléluia. Amen. Verse 34 now. Au verset 34 maintenant. And Jesus said to her, mais Jésus lui dit, daughter, my fille, your faith has made you well. Ta foi t'a sauvé. Go in peace. Va en paix. And be healed of your affliction. Et sois guéri de ton mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Participation. La participation. Faith in action requires your participation. La foi en action exige ta participation. The grace of God is available. La grâce de Dieu est disponible. God has made it available to whoever believes. Dieu l'a mis, a rendu disponible à quiconque croit. When you hear the word of God, lorsque vous entendez la parole de Dieu, since the beginning of this year 2021, depuis le début de cette année 2021, every Sunday we are here to hear the word of God. Chaque dimanche nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu. Those who have time to attend weekly services are here on Tuesdays and Fridays. Et ceux qui ont le temps de venir au service pendant la semaine sont là chaque mardi pour écouter la parole. God expects you to take action on what you hear. Et Dieu attend que nous puissions poser des actes sur base de ce que nous entendons. I was in the friend service this morning at ESA. J'étais dans le service francophone ce matin à ISE. Pastor Mpinga said, et Pasteur Mpinga a dit, we are all here to hear the same word of God. Nous sommes tous ici pour écouter la même parole de Dieu. The same sermon. Le même sermon. There are people who take advantage of that word that they hear and they grow, while the others just remain at the same level. Il y a d'autres qui tirent profit de cette parole et ils grandissent, mais il y a d'autres qui restent au même niveau. Some receive that word, they take action upon it and get results. Et il y a d'autres qui reçoivent cette parole, mettent en action et voient les résultats. Then at the end of the year, those who still remain at the same level will wonder, how come we are in the same church but we are not experiencing the same thing. Et à la fin de l'année, ceux-là qui n'ont rien vu se poseront la question de savoir mais comment nous sommes tous dans la même église mais nous ne voyons pas les résultats. Repeat after me, participation. Répète après moi, participation. You need to participate. Tu dois participer. Alléluia. Amen. Whoever says. Quiconque dit. There is no discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Because God is no respecter of persons. Parce que Dieu n'a de faveur pour personne. Acts chapter 10 verse 34. Actes au chapitre 10 au verset 35. God is no respecter of persons. Dieu n'a de respect pour personne. There is no favoritism. Il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Whoever believes. Quiconque croit. Alléluia. Amen. This lady heard about Jesus. Cette femme a entendu parler de Jésus. She went behind Jesus and touched his garment. Elle est partie derrière Jésus et a touché son vêtement. She took action. She put her faith into action. Elle a mis sa foi en action. And got a result. Et elle a eu les résultats. Take action based on this attribute of God. Prends action
sur base de ses attributs de Dieu. Alléluia. Amen. Maybe you are wondering, how can I do it? Alors peut-être tu te demandes comment je peux le faire. Search the word of God. Sonde les Écritures. Because the Bible says, parce que la Bible dit, Luke chapter 5 verse 5. Luc 25 au verset 5. At your word, à ta parole, I will cast my net. Je jetterai les filets. Peter heard the word of Jesus. Pierre a entendu la parole, les paroles de Jésus. And he took action upon the word that he heard from Jesus. Alors il a posé action sur base des paroles qu'il a entendues de Jésus-Christ. My advice to you. Mon conseil pour toi. You have your Bible. Tu as ta Bible. Find in the written word of God. Trouve dans la parole écrite de Dieu a promise. Une promesse. That is connected to the issue you are experiencing. Qui est connecté au problème que tu es en train d'expérimenter. Once you get that promise, une fois que tu trouves cette promesse, take ownership of that promise. Approprie-toi cette promesse. Because this word is addressed to whoever believes. Parce que cette parole s'adresse à quiconque croit. Then start claiming that promise. Alors commence à réclamer cette promesse. Are you sick? Est-ce que vous êtes malade? By his stripes, I'm healed. Nous avons été guéris. Confess that promise. Confesse cette promesse. When you confess the word of God, lorsque tu confesses la parole de Dieu, there is power in the word of God. Puissance qui sort dans la parole. The Lord told Joshua. L'Éternel a dit à Josué. This book of law. Que ce livre de la loi. Should not depart from your mouth. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Medite upon it day and night. Médite la jour et nuit. What does it mean? Qu'est-ce que cela voudrait dire? That it should not depart from your mouth. Que cela ne doit pas s'éloigner de ta bouche. It should be confessed. Ça doit être confessé. It should be declared. Ça doit être déclaré. Find in the word of God. Trouve dans la parole de Dieu. A promise. Une promesse. Hallelujah. Amen. In this Bible. Dans cette Bible. Even in your Bible. Même dans votre Bible. Well, many don't have their Bible. They have telephones. Ah, il y a beaucoup qui n'ont pas de Bible. Ils ont des téléphones. I'm talking about the Word of God. Je parle de la parole de Dieu. Well, it's okay to have an electronic device. Même si vous avez un appareil électronique. It's okay. Ça va. I'm not against that. Je ne suis pas contre ça. When you have no electric power to plug in your telephone and get your Bible, you are stuck. Alors, lorsqu'il n'y a pas d'électricité pour brancher votre téléphone et que c'est éteint, vous êtes coincé. So, I'm talking about the word of God. Alors, je parle de la parole de Dieu. It may be in a book like this. Ça peut être dans un livre comme celui-ci. Or an electronic device, I don't know. Ou dans un appareil électronique. C'est you will find prophecies in this word of God. Vous trouverez des prophéties dans cette parole de Dieu. You will find promises in this word. Vous trouverez des promesses dans cette parole. Some of the prophecies have already come to pass. Il y a certaines prophéties qui se sont déjà accomplies. Some yet to come to pass. Et il y a d'autres qui attendent encore de s'accomplir. You have promises here. Vous avez des promesses ici. You also have principles. Vous avez aussi des principes ici. Principles. Principes. To guide you as during your lifetime. Pour vous guider durant votre vie. Once you find a promise. Lorsque vous trouvez une promesse. Take hold of it. Saisissez-la. Claim it. Réclamez-la. In prayer. Dans la prière. Lord, you said. Seigneur, tu as dit. I'm sick. Je suis malade. But by your stripes we are healed. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Heal me, Lord. Guéris-moi, Seigneur. Claim that promise. Réclame cette promesse. The Lord watches His word. La parole, l'Éternel veille sur sa parole. Whoever finds His word. Et quiconque trouve cette parole. And returns it to Him. Et revient vers lui. To see the result. Verra les résultats. Hallelujah. Amen. There is power in the word of God. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. You need to prosper. Vous devez prospérer. You need to prosper. Vous avez besoin de prospérer. There are principles connected to prosperity in the word of God. Il y a des principes qui sont liés à la prospérité dans la parole de Dieu. One of them is work. Et l'un
de ces principes, c'est travailler. God will honor your work, the work of your hands. Dieu va honorer ton travail, and make it prosper. Et les rendre prospères. Prosperity is not magic. La prospérité n'est pas magique. Work. Travail. What to find to do, do it. Tu trouves quelque chose, ce que tu trouves à faire, fais-le. The Lord who watches over his word will honor him. L'Éternel qui veille sur sa parole va honorer. Hallelujah. Amen. First requirement. La première exigence. Your faith needs to be founded in God. Ta foi a besoin d'être fondée en Dieu. Second principle, second requirement. La deuxième exigence. Your participation. Votre participation. Number three now. Le troisième maintenant. Do not allow your doubt to overtake your faith. Ne permet pas à vos doutes de surplanter votre foi. Alléluia. Amen. Do not allow your doubt to overtake your faith. Ne permettez pas à vos doutes de surplanter ou de dominer sur votre foi. We struggle with doubt every day. Nous éprouvons des doutes chaque jour. A simple definition of doubt is that doubt is, to doubt is to lack confidence. Et une définition simple du doute, c'est que le doute, c'est manquer de confiance. To consider unlikely to happen. Considérer improbable ou incertain quelque chose. You know, there is a humanistic view of doubt, about doubt. Ah, vous savez, il y a une vue humaniste au sujet du doute. Yeah. We have philosophers who have written books about doubt. Alors, nous avons des philosophes qui ont écrit des livres sur le doute. One of them is René Descartes. Et l'un d'eux est René Descartes. You remember his book, Le Doute Méthodique. Vous vous souviendrez de son livre, Le Doute Méthodique. And he encourages people to doubt on anything. Et il encourage les gens à douter sur tout. That's not the biblical view. Ça, ce n'est pas une vie biblique. In the Bible, dans la Bible, doubt is a destroyer of faith. La Bible, le doute, c'est un destructeur de la foi. Amen. Amen. We are called believers. Nous sommes appelés des croyants. Yes. Oui. Not doubters. Pas des douteurs. Alléluia. Amen. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? We are called believers. Nous sommes appelés des croyants. The disciples are believers. Les disciples sont des croyants. They believe in God. Ils croient en Dieu. And his word. Et en sa parole. They don't doubt it. Ils ne la doutent pas. The very first expression of doubt in the Bible is found in Genesis chapter 3. Alors la première expression de doute dans la Bible se trouve dans Genèse au chapitre 3. When Satan tempted Eve, lorsque Satan a tenté Ève, and caused their faith, Eve and Adam, to collapse. Et a causé la foi de Adam et Ève de s'ébranler. He wanted to remove them from trusting in God. Il voulait leur ôter hors de la confiance en Dieu. Unfortunately, he succeeded. Malheureusement, il a réussi. As a consequence, the first couple, the first man, lost his kingship over the creation. Et comme conséquence, que les premiers couples, hommes et femmes, ont perdu leur royauté. Yeah. And as a consequence, et comme conséquence, they was cast out from Eden. Ils ont été chassés d'Éden. The Bible gives us stories of people who doubted. La Bible nous donne des histoires de ceux qui ont douté. Zechariah. Zacharie is an example. C'est un exemple. In Luke chapter 1, verses 11 to 17. Dans Luc chapitre 1, à partir de 11 jusqu'à verset 17. This Zechariah is the father of John the Baptist. Zacharie est le père de Jean-Baptiste.
When you doubt, you lack faith in God. You lack confidence in God. Vous doutez, vous manquez de confiance en Dieu. And you consider that what God said is unlikely to happen. Alors vous considérez que ce que Dieu a dit est improbable ou incertain. God will hold you accountable for your doubts. Dieu vous demandera de compte pour votre doute. Sometimes God will tell you something that sounds illogical. Quelquefois Dieu vous dira des choses qui semblent illogiques. In the case of Zachariah, dans le cas de Zacharie, his wife was an old woman. Sa femme était une femme âgée. But the Lord came to find this high priest Zechariah. Mais le Seigneur est venu trouver ce prêtre Zacharie. To announce him about the good news of him having a child in his old age. Pour lui annoncer une nouvelle qu'il aurait un enfant dans son âge avancé. But he doubted. Mais il a douté. Immediately God judged him on the Et spot. Immédiatement Dieu l'a jugé à l'instant. He remained dumb. Il est devenu muet. Until he saw his child being born. Jusqu'à ce qu'il a vu cet enfant naître. Sometimes what the Lord will tell you will sound illogical. Quelquefois ce que le Seigneur vous dira vous semblera illogique. Last week I was here, those who attended the second service last week. La semaine passée j'étais ici et pour ceux qui ont été présents au second service. Will you remember what we said about Noah? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur Noé? Noah received an instruction from God. Noé a reçu une instruction de Dieu. To build a boat. De construire un bateau. To protect his family against the devastation of rain. Pour protéger sa famille contre la dévastation de la pluie. Nobody has ever seen any rain. Personne n'avait jamais vu de pluie. Nobody has ever seen a flood. Les gens n'avaient jamais vu un déluge. When you consider these two things at least, it's nonsense. Considérez déjà ces deux choses, vous direz que c'est du n'importe quoi. And what we said? Alors ce que nous disons? Whenever you seem to see something illogical from God. Alors à chaque fois que vous remarquez quelque chose d'illogique de Dieu venant de Dieu. Now, what is in play here is not your reason but your faith. Alors ce qui est en jeu ici, ce n'est pas votre raisonnement mais c'est votre foi. Just believe. Croyez tout simplement. Hallelujah. Amen. The remedy for doubt is faith, brothers and sisters. Alors le remède pour le doute c'est la foi. And this faith we are talking about, I said it again, it comes from hearing the word of God. Et cette foi dont nous parlons ici, je l'ai dit encore, vient de l'écoute de la parole de Dieu. In order to have our faith, alors pour avoir cette foi, to increase our faith, pour grandir dans cette foi, we need to hear at all times what the Lord says. À chaque instant ce que l'Éternel dit. We must study the word of God. Nous devons étudier la parole de and Dieu. And know what the Lord says. Et savoir ce que le Seigneur dit. Once we have an understanding of what God has done in the past, lorsque nous avons une compréhension de ce que Dieu a fait dans le passé, we are strengthened in our issues we have in the present time. Alors nous sommes réconfortés dans nos problèmes présents, ce que nous expérimentons. Hallelujah. Amen. Doubt. Le doute will block from you from seeing what the Lord is doing for you. Vous empêchera de voir ce que Dieu est en train d'accomplir pour vous. Doubt will hinder your capacity to receive from God. Le doute va diminuer votre capacité de recevoir de Dieu. Doubt will keep you focused on what you see physically. Le doute vous gardera focalisé sur ce que vous voyez physiquement. When you are a job seeker, lorsque vous cherchez un emploi, when you are sick, lorsque vous êtes malade, when you doubt, lorsque vous doutez, you will just focus on your present, current situation. Vous allez rester focalisé sur votre situation présente. But if you allow your faith to function, you will go beyond your physical realities of life. Mais si vous permettez à votre foi de fonctionner, vous irez au-delà de votre réalité présente. My just will live by faith. En croyant par la foi. My just will live by faith. Le juste, mon juste vivra par la foi. Hallelujah. Amen. As you continue focusing on your current situation of life. Alors comme vous restez focalisé sur votre situation présente de la vie,
you will be carried far away from the result of God that He has planned for you. Vous irez, vous allez vous éloigner très loin du résultat que Dieu a prévu pour vous. So today we discussed three requirements of faith. Alors aujourd'hui nous avons parlé des trois exigences de la foi en action. The foundation of our faith is God and God alone. La fondation de notre foi, c'est Dieu. You may have relationships. Vous pouvez avoir des relations. You may have know-how and know-who. Vous pouvez avoir know-how. Vous pouvez savoir de comment faire. And know-who. Savoir. And people who know you. Et des gens que vous connaissez, qui vous connaissent. Your connections. Vos connexions. But your first focus. Mais votre should be on God. Focalisation première, votre focus doit être sur Dieu. Not your connections. Pas vos connexions. Because you may be disappointed by your connections. Parce que vous pouvez être déçu par vos connexions. And for your connections to work, et pour que vos contacts, vos connexions puissent marcher, be touched by God. Ils doivent être touchés par Dieu. That's why at all times, voilà pourquoi à chaque instant, your foundation should be on the foundation of your faith should be in God. La fondation de votre foi doit être en Dieu. We said second, take participatory action. Et deuxièmement, nous avons parlé de la participation, des actes participatifs. Believing in the integrity of God and His ability. Croire en l'intégrité de Dieu et en sa capacité. This way you will take God by His words. De prendre Dieu, toujours prendre Dieu. God is seeking whoever will believe in His word. Dieu est en train de chercher quiconque croirait en sa parole. Hallelujah. Amen. God is expecting to see whoever will trust in His promises. Dieu est en train de chercher quiconque pourrait croire en ses promesses. You may be poor today. Vous pouvez être pauvre aujourd'hui. God needs somebody to confess that He is rich. Dieu a besoin de quelqu'un qui puisse confesser qu'il est riche. God is seeking to find somebody who is currently blind, but who will confess that he can see what the Lord has done. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui est présentement aveugle, mais qui pourrait confesser qu'il va voir. My prayer for you. Ma prière pour vous. Is that you take God by His word. C'est que vous puissiez prendre Dieu au mot. And we said thirdly that you should not allow your doubt to overtake your faith. Et troisièmement, nous avons dit que vous ne devez pas permettre à vos doutes de supplanter ou de dominer sur votre foi. Hallelujah. Amen. This is some of the requirements of faith. Ça, c'est quelques exigences sur la foi. Among many others. Parmi tant d'autres. But I want you to pray. Mais j'aimerais que vous priez. Let's stand up and pray. Nous pouvons nous lever pour prier. Based on what we heard. En nous basant sur ce que nous avons entendu. Confess your faith in God. Confesse ta foi en Dieu. Based on His integrity. En te basant sur son intégrité. Lord, Seigneur, whatever you say shall come to pass. Tout ce que tu as dit s'accomplira. There is nothing that you say that will remain void. Il n'y a rien que tu as dit qui restera vain. I choose to believe in you. Je choisis de croire en you toi. You are so able to fulfill whatever you say. Tu es si capable d'accomplir tout ce que tu dis. Not only you have integrity of character. Tu n'as non seulement l'intégrité des caractères. You also have the ability to fulfill whatever you say. Tu as aussi l'habilité, la capacité d'accomplir tout ce que tu dis. That's why I want to remain confident in you. Voilà pourquoi j'ai choisi de rester. Raise your voice and start praying. Alors élève ta voix et commence à confesser, à parler. Confess your faith. Confesse ta foi. The word of God. La parole de Dieu. The character of God. Le caractère de Dieu. God. Dieu. Watches over His word. Veille sur sa parole. And He wants to see whoever will believe in His word. Et il voudrait voir quiconque choisit de croire en sa parole. Based on these major qualities of God. En se basant sur ces qualités majeures de Dieu. Make up your mind. Alors, décide-toi. To step in and put your faith into action. De prendre action et de mettre ta foi en action. Participate in the process as a partner of God. Participe, sois un partenaire avec Dieu dans le processus. Hallelujah. Amen. Cast your doubt away. Jette tes doutes
Whenever there is a doubt coming, cast it away. Et à chaque fois qu'il y aura les doutes qui arrivera, jette-le loin. Choose to believe. Choisis de croire. Choose to believe. Choisis de croire. Whosoever believes, quiconque croit, shall not be dismayed. Ne sera pas confus. Shall not be disappointed. Ne sera pas déçu. Continue praying, my brother and sister. Continue à prier, mon frère, ma sœur. The Lord hears your prayer. L'Éternel écoute votre prière.